Salut et bienvenue pour cet épisode 2 de Loup-Garou, le scoreboard vient de disparaître, y'a pas de soucis, on a les rôles dans 10 secondes, on y va. Nous sommes... Oh là là, putain c'est incroyable, c'est insane. C'est pas possible, putain de merde, c'est couple aléatoire. Je suis en couple avec Bichard, c'est la team sortie en phase 2, elle est de retour. On était village. Votre rôle vient d'être switché par le trublion. Je suis Loup-Garou, on doit quand même gagner à 2 avec Bichard. C'est... Oh, tu es le loup-garou blanc ou pas? Non, pourquoi? Non, je suis pas le loup-garou. Eh hey, oh, oh, pourquoi tu m'attaques là? C'est le LG blanc gros, c'est le LG blanc. Non. Ah, mais gros, c'est quoi cette chance? Mais c'est quoi cette malchance de A à Z? Mais du début à la fin! Voilà, dans le fight, j'étais un peu. Depuis le début de la game, on est d'accord, tu nous as entendu en cave? Non, toujours pas. Mais pourquoi t'as dit que il fallait buter Bichard alors? Je capte pas, genre. Parce qu'on l'a coupé. Aïe. Oh. Oh non, mais putain, c'était trop dur. Surtout que je lui ai fait un don 1, je pensais qu'il continuerait de me spammer. Ah, le couple, un élément très important des loups-garous, dont vous avez l'habitude sur cette chaîne, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai déjà eu l'occasion de réaliser des parties exceptionnelles, mélangeant stratégie et PVP. Stratégie pour ne pas se faire repérer en tant que couple, et PVP parce que le défi est d'autant plus compliqué. Il faut éliminer tout le monde et l'emporter sans faire aucune erreur. Aucun écart n'est permis, car si l'un meurt, l'autre aussi. Bienvenue en loups-garous UHC, dans une nouvelle partie exceptionnelle. Petit rappel des règles, il s'agit d'un jeu du loups-garous classique, dans le format UHC sur Minecraft. Un rôle nous est attribué dans la partie, soit villageois, soit loups-garous, soit solitaire. Les villageois doivent trouver et tuer les loups-garous, et les loups, eux, doivent s'infiltrer pour tuer tous les villageois sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'entendez ou pas quand elle miaule? Vous l'entendez ou pas? Elle miaule! Oh! Bah voilà, tiens, regardez, j'avais dit que je voulais être LG, regardez, hop. Mais comme je l'ai dit précédemment, il existe aussi un autre élément qu'il ne faut surtout pas oublier, proposant plusieurs conditions de victoire en fonction du combo de rôle le composant. Il s'agit du couple. D'ailleurs, bon, du coup, on est loup, hein, du coup, loup-garou normal. On va voir si on est en couple. Mais si, et puis voilà quoi. Alors, elle ouvre pas encore les portes, par contre, oui. Non. Oh, quoi? What the fuck? C'est couple aléatoire? Non mais, c'est couple quoi? C'est quoi la probabilité? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, si c'est charmeuse. Non, si c'est charmeuse. Non, c'est charmeuse. C'est sûr, c'est charmeuse. Je suis donc en couple avec Bichard. Pour l'instant, aucune idée de son rôle. Je veux donc directement le rejoindre. Il faut, comme je l'ai dit, se méfier également de la charmeuse. Un rôle solitaire qui charme un autre joueur, en lui faisant croire que nous sommes en couple. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un rôle qui manipule un autre joueur de son choix. Et j'ai de très forts soupçons. Ça me semble étrange que nous soyons en couple tous les deux. Donc, je me méfie encore. Je veux le rejoindre de suite. J'attends même pas. Alors, on va s'expliquer direct. C'est la charmeuse. Il va me baiser. Hein. Bon, par contre, je suis dans la merde. Hein. Niveau stuff là, putain, ça va être une catastrophe quoi. Si c'est vraiment un vrai couple, c'est une dinguerie. Hein. En fait, de toute façon, c'est simple. Je vais le rejoindre et on va juste voir en fait. De toute façon, s'il est dans la liste des loups, il est forcément pas charmeuse. Hein. Biche-bouche. Bonjour, t'es où? Dis-moi ce qu'on fait. Vas-y, zizi. Bah, on est juste dans la grosse merde en fait. Hein. Parce que moi, je suis montre en danse et je sais pas ce que t'es. Loup-garou vengeur. T'es loup-garou vengeur? Oui, j'ai 7 cœurs. Hein. Attends, mais t'es vraiment pas charmeuse, ça veut dire? Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Je t'ai dit ça pour te bait, je suis loup-garou aussi. On est vraiment couple aléatoire, nous deux? Mais c'est pas possible. Tu sais que j'ai dit au chat, Guil est charmeuse, pourquoi? Mais oui, mais moi j'ai dit pareil. C'est impossible qu'on se retrouve ensemble. Et je suis loup-garou aussi. C'est quoi? C'est pas possible. On est vraiment couple aléatoire, mec. Mais c'est pas possible sur tous les gens qu'il y a dans la game. Les gars, imaginez Guil, il est charmeuse, il m'a charmé genre. Parce que du coup, ça serait plus logique que la chance qu'on se retrouve en couple ensemble. Attends, t'es vengeur, donc t'as quoi? T'as 7 cœurs? J'ai 7 cœurs et à chaque fois qu'un loup-garou meurt, je gagne un cœur. Oh bah tant mieux, on va tuer tous les loups, frère. on va tuer tous les loups. Ah mais non, mais du coup, oui, en vrai, ça nous arrange si on tue les loups. Bah oui, on va tuer les loups, frère. On gagne juste contre en couple. Et comme on ça, va tu... se faire cramer très très tôt. On va mais se prendre tout. Tu vas être à 17 cœurs, on va commencer. Bichard est loup-garou vengeur. Et honnêtement, je ne pense pas qu'il mentirait sur le rôle. S'il était charmeuse, je finirais par le savoir au moment de la liste des loups. Nous appartenons au même camp, celui des loups-garous. Mais son rôle est un petit peu plus complexe que le mien, car il commence avec 7 cœurs maximum, et il gagnera de la vie au fur et à mesure de la partie. Lorsqu'un loup qu'il a croisé vient à mourir, il gagnera un cœur supplémentaire. Il faut donc absolument faire attention à ne pas se faire cramer en début de partie, sinon on risque de mourir très très vite. Comme nous appartenons tous les deux au camp des loups-garous, nous pouvons gagner de deux façons différentes. Soit avec les loups, soit juste à deux en tuant tout le monde. De plus, il ne faut pas oublier que l'un d'entre nous peut devenir solitaire plus tard. C'est-à-dire le loup-garou blanc, ce qui nous obligerait à éliminer tout le monde, même les loups-garous, pour l'emporter. De toute façon, dans tous les cas, là, si t'étais charmeuse, tu m'aurais pas dit loup. Parce que là, le truc, c'est que vraiment, je peux savoir en fait si t'es loup ou pas maintenant, tu vois. Non, mais j'y crois pas une seule seconde, hein. C'est pas possible. Bon, par contre, on a rien, par contre, frérot, là, faudrait qu'on joue. On a même pas de table d'enchante, 40 minutes, bon, on va sortir à 80 minutes, hein. Eh bah écoutez les amis, c'est la merde, on n'a pas un seul diamant, on est bien, on est dans une bonne game de Gapple, là, on est bien. Ah!
Ah, t'es vraiment dedans, mais non. Oh, mais c'est pas possible, mec. Hein. C'est pas possible. T'as vu la team? C'est quoi ce bordel là? Attends. Non, ça va en vrai. Moi, je veux en tuer un assez vite. Je te donne un exemple, il est au début de la liste. Ok. Effectivement, Bichard n'est donc pas charmeuse. On a une très bonne liste d'ailleurs. Marwan et Notitou se trouvent dedans. Il va falloir trahir vite. Mais Bichard, lui, a 7 cœurs maximum. C'est compliqué. Bon, on n'a pas l'enchant, frérot. Hein. Bah, on n'a pas l'enchant. Mais mec, on va sortir. Faut le faire. Non, mais on sort dès qu'on est au moins. On a le stuff, quoi, en fait. Hein. Bah oui. On se m'en bat les couilles. On sort à 90 minutes. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. 62 minutes, j'ai pas trouvé un diamant dans la game. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'histoire? 62 minutes de jeu, j'ai pas vu un diamant. Oh, ça y est, y en a. Enfin. Est-ce que y en a combien là? Y en a 4. Ah, mais je vais devoir faire des bots, frère. Vous vous rendez compte ou quoi là? En vrai, sans déconner. Oh, ça s'arrête jamais. Oh, oui. Je me disais, il a trouvé 4 diamants aussi. En fait, on est juste à côté. Je viens d'en retrouver 4. Attends, et je suis quasiment full protection de mec. Et maintenant, il me faut un diamant. Enfin, il faut 2 diamants pour l'inp. Allez, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites vous? Moi, je pense que je peux sortir. Tu veux qu'on... J'ai fini mon stuff là. Tu veux que je sorte et j'aille... Et tu essaies de venir en soum-soum, on essaie de la jouer comme ça? Oui, oui. Donc, sinon, je continue à miner, mais... Non, ouais. Mec, faut que... Enfin, là, le problème, c'est que là, regardez, on est à 80 minutes. On va monter comme ça, hein. Tu veux pas que je monte avant toi? Pour pas que ça si, si, tu vas, ouais. Tu vas miner, tu vas monter avant moi quand même. Ok, j'ai protection 3, protection 2, protection 2, protection 1, sharpness 3, et j'ai 8 gapple, quoi. Mais t'as un bête de stuff, hein. Vas-y, je remonte. Vas-y, hein. Remonte. Vas-y, vas-y. Allez, les gars, on sort pour la première fois. Allez, on va aller voir ça. Allez, go. Là, je me sens un peu... Je me sens bien, là, les gars. En vrai. Je crois honnêtement que je n'ai jamais autant galéré de ma vie pour un minage. Par contre, là, ça, il y a eu un mort. Oui, oui, effectivement, oui. À 91 minutes de jeu, le premier mort. Il manque toujours une personne. Bah, qui? Ah ouais? Bichard. Bichard. Ah, tu l'as vu? Ah, il y a aussi. Ouais, il était full fer, il y a quelqu'un qui. Ouais. Ah, il était aussi full fer. Oh my god. Oh, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Attendez, il est où? Il est où? Mais attends, mais il y a combien de gens qui ont galéré sur le stuff parce que. Attends, mais on est à 100 minutes de jeu. Non, mais c'est pas possible. Comment ça marche le loup vengeur, les gars? Parce qu'en vrai, sur un malentendu, je commence à tuer des loups là, au pire, ou je commence à tuer des gens et peu importe qui c'est quoi. Si un loup qui l'a croisé meurt, il gagne un cœur. Ah ouais, donc c'est pas mal en vrai. Je pourrais le remettre bien en vie en vrai. Première stratégie. Effectivement, tuer des loups-garous directement peut être intéressant pour nous. Après avoir rencontré des loups, si nous les tuons, Bichard gagnera de la vie et ça peut nous mettre très bien. Fait des groupes ou quoi là? En vrai. Vas-y, je peux pas tuer des loups en fait, parce que sinon ils vont se faire raise. Il faut que je laisse les loups se faire tuer par d'autres joueurs, faut que j'arrive à... Ah. Alors... Bah oui, mais c'est quoi de ça? Ah, ben moi je l'ai eu, c'était un jumeau du coup. Allô? Allô? Ouais, laissez-nous le tuer. C'est ça déjà. On rentre sa verso déjà. Non, laissez-nous. Marwan, pour moi il est safe, le mec. Bah, en fait on a aucune info. C'est qui tue Marwan? Oula! Alors celui qui a dit Marwan est safe, c'est soit Baymat, soit l'autre qui était avec nous là, comment il s'appelle? Un chanceux. Je crois que c'est Baymat. Je crois que c'est Baymat. Ok, ouais, bah un mec dans la game. Apparemment il y aurait Marwan qui serait loup-garou qui se fait tuer. Voilà, si vous voulez savoir. Oui, et. Oui. Tu peux te faire part d'un soutien. Mais Marwan il a tué nos si tu veux. Mais non, c'est bien. Pas lui qui... Vas-y, viens, je veux bien, s'il te plaît. T'inquiète, mec. Je pense j'en ai un sur 95%. Ah ouais? Ouais. Dans le groupe de 4, on était là? Ouais. Oh, c'est incroyable, hein. Bon, bah écoute. Moi, je suis éclaté, hein, je te le dis. Hein. Bah, moi, je vais te le dire. Tiens. Oh, incroyable. Je suis éclaté, mec. Je peux Merci, pas te le donner. Faut qu'on tue by Matt. Moi, je te le dis. Pourquoi? Parce que faut qu'on tue by Matt. Et Bibi? Ah, il est comme moi, hein. Vous êtes tous les... Non, mais arrête, si, frère. Si. Mais en fait, le problème, c'est que si tu restes avec nous, ça peut devenir incroyable. Tu veux que je reste avec vous? Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas? Stratégie parfaite. Grâce au Cupidon qui me donne son punch, nous pouvons aller tuer des loups-garous sans trop nous faire cramer. Et si je laisse le dernier coup au Cupidon, ces mêmes loups ne pourront pas se faire ressusciter par l'infect. Après, le truc, c'est que. Faut que ce soit toi qui le tue, pas moi. Ah, je suis pas sûr que je vais pouvoir le toucher, hein. Si, mon gars. On dit qu'on a une info et on y va, quoi. Après, je sais pas si on peut y aller maintenant ou pas, mais en vrai, ouais, j'aime bien ton truc, vas-y. Salut. Marwan est toujours pas mort, hein. Oui, Marwan est pas mort, hein, il est trop fort. Bah écoutez, nous on est allé me parler comme quoi il avait une petite info sur un truc, donc j'ai noté l'information. Narox, c'est Narox qui tue Marwan. Putain, y'a des gens de partout, frère. Vous avez revu Zama, c'est Narox? Le problème, skill, je peux pas. Je peux te parler, Bichard? Vite fait. Tu veux me sauter? Oui. Ok, vas-y, je viens alors. Saute-moi, Guy. Je te parle d'un truc vite fait là. Je vais te communiquer une information que nous avons. Bon, j'arrive plus à parler. Vas-y. Et qui me semble être plutôt intéressante pour toi. Transmets. Mathieu. Lapin ? C'est... Non, dans le table là, Mathieu. Mathieu, ouais. Mathieu. Là, c'est Mathieu. Oh ! C'est... Regarde. Oh, oui, j'ai compris. C'est Mathieu.
Marwan est... Marwan est dans la merde hein. Tu veux pas qu'on reste un peu à l'écart, on essaie de l'aider. Parce qu'en fait le truc c'est que il est... Je pense que Narox et tout ils sont prêtresses. Et du coup on va forcément se faire spec. Des quoi des infos aussi hein. Mais ouais mais on va se faire spec hein, c'est sûr mec. On va se faire cramer très vite. J'ai que 6 coeurs hein. T'as 6 coeurs là. Un 7. Après t'as croisé tous les loups là normalement non. Je pense ouais. Ok. T'as croisé Matt là. À Matt ou by Matt. Oui. Ok parce que du coup on peut se faire gagner de la vie en restant enfin le tueur hein. Parce qu'il est dans le groupe et je sais pas. Qu'est-ce que tu fais. Qui fait lui. Je pense que c'est Narox qui est Narox et prêtresse, je pense. Je viens d'apprendre que la prêtresse existait. Moi, je pense pas. Bah, apparemment, pas dans, le groupe, dans le groupe où j'étais, en gros, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait pas eu le rôle, le jumeau là. Ouais, et ouais, j'ai pas eu dans notre groupe là où on était, il y a quelqu'un en qui j'ai pas vraiment confiance, on va dire. Et du coup, moi, je pense savoir qui est la prêtresse, c'était pas le bon pseudo quoi. Ah bon ? C'est Daiko alors ? Parce que pour moi, c'est soit Daiko, soit Narox et son groupe. C'est pas Narox. Moi, okay. Je pense que je me dis pourquoi pas Daiko, au vu de son attaque sur Naughty en tout début de game. C'est moi qui ai donné le call sur Naughty. C'est toi qui l'as donné. C'est toi qui as donné. Ouais. Et du coup, ce serait plus ou moins toi, soit la. Bah, y'a pas de montreur donc. Non, parce que ça a aucun rapport avec mon rôle. J'ai vraiment vu sous les arbres de nuit, il a one tap un creeper, on a fait le test. Moi, j'ai une T4, on a fait le test et j'ai pas one tap. De toute façon, faut vous dire, hein, si vous voyez quelqu'un qui one shot un mob sous les arbres de nuit, forcément, forcément loup. Y'a aucune chance que ce soit pas le cas. Ah oui, oh, du coup, y'a beaucoup de gens là. Le rôle de Marwan. Groupe, les gars. Bon, on se sépare, qu'est-ce qu'on fait. Vas-y bah go hein. Qu'est-ce qu'on fait. On part par là aussi. Qu'est-ce qu'on fait. Vas-y on avance. Il y a trop de gens à droite là du coup. Il y a les gens de partout à côté. Les gars on vous suit parce qu'il y a vraiment des gens partout en fait. Comme ça on fait un groupe. Il y a moyen qu'il y ait des gens qui viennent vers nous et qui nous attaquent parce que moi j'ai aidé Marwan. Enfin quoi. T'as aidé Marwan à faire quoi. Ouais parce que pour moi Marwan il était safe genre. Marwan est infect. Il était pas méchant quoi. Et ils l'ont sauté. Il a montré qu'il était méchant du coup bah. Marwan est IPDL. Peut-être que les gens vont partir. Marwan est IPDL. Qu'est-ce que tu fais toi. Moi je réfléchis un truc mais en fait je voulais dire un truc à Risto mais là. Viens, on gêne. Le problème, c'est juste qu'en fait, on peut pas aller par là parce qu'il y a déjà un autre groupe. Donc, il y a un autre groupe, mais j'ai envie de poser une question à Risto et en même temps. Tu penses qu'on pue là. Ok. Ah oui, putain, il y a des gens partout. Mais frère, arrêtez d'être à côté de nous là. Il y a des gens, frère, de partout. Bon. Ah oui, mais il y a des gens de partout, du coup, il faut qu'ils bougent. Les gars, bougez, pitié, bougez. Bougez, vous êtes tous à côté, toujours, bougez. Bougez, vous êtes tous à côté. T'es où. T'es où. Ils sont où. Bah. Viens. Viens, 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 viens. Lui, hein. Viens, on reste avec lui. Ouais. Viens, Marwan, viens. Oui, mais en fait, frérot, mais en fait, on vous a dit depuis une heure de bouger, les gars, en fait. C'est bah genre. Oui, ça fait une heure qu'on vous dit de bouger parce qu'il est à côté. On savait bien, je savais que depuis ça fait 5 minutes qu'il est à côté. Mais je sais, mais aussi je sais, mais les gens sont à côté de nous et nous regardent. C'est horrible ce qu'il se passe. Nous nous éloignons avec Risto, Omega et Pingouin Noir qui semblent avoir beaucoup d'infos. Et comme nous savons que Marwan suit en sneak derrière nous, nous pouvons alors les 3v3 et peut-être ensuite tuer Marwan derrière. Ça serait une bonne phase de jeu et c'était notre plan. Mais malheureusement, Omega et Risto semblaient se méfier et se sont éloignés. Marwan décide alors de sortir de l'ombre et de sauter sur Pingouin qui meurt ensuite par lui. Et un énorme groupe voit donc l'action, ce qui nous crame automatiquement loup auprès de toute la game. Cela complique énormément la chose, car là nous allons être obligés de jouer avec les loups-garous, sauf que Bichard lui ne va pas récupérer de vie du coup. Bah moi je suis cramé, je sais pas comment on m'a cramé. Non, mais je sais pas comment on m'a cramé. Même mec il est sur mon stream. Moi je sais. Moi je sais, c'est moi qui l'ai donné. De toute façon moi je charge pas grand chose en fait. 3. Attends, hein. Mais y'a Marwan là. Oh les gars, mais moi je comprends pas comment on m'a cramé. Non mais même nous je pense que Omega et Risto ils voulaient nous sauter hein. Tu lâches pas Marwanou hein. Ah oh, mais je suis nul hein. Ah quoi. Oh non. Oh non. Oh non. Oh. Oh non il s'est fait infect mec. Mais c'est lui l'infect. Ah ouais putain. C'est lui l'infect, il l'a dit Risto. Oh merde. Bon bah écoute tant pis hein. My bad. T'inquiète. Pas de soucis. Et c'est encore plus terrible, y a rien qui va. Étant déjà cramé par tout le village, nous sommes maintenant cramés chez le loup aussi, car nous tuons Marwan et un autre loup-garou après avoir poursuivi un villageois. Malheureusement, Marwan étant infect par des loups, il s'est auto-infecté et possède maintenant l'info que nous sommes en couple. Situation très délicate. Je savais que t'allais l'attaquer, je le savais, je le sentais. Bah oui. De toute façon, en vrai, non, fake, j'aurais fait la même. Je te le dis, j'aurais fait la même. Oui, bah, mais je suis juste deg, j'ai pas y repensé quoi. Allo. Bon, ok. Si t'es sûr aussi. La speed, je rattrape. Ouais, moi aussi j'ai speed, ah. D'ailleurs, t'inquiète. Je te casse, ça va. Ça va, mec. Mal. Tu peux jeter. T'inquiète. Ah, oh. Wouah. Boost. La force. Vas-y. Hein. Oh, flèche, ah oui, il y a le flèche. Boost. J'ai plus de flèche. Vas-y, passe devant. Ouais. Tu l'es. Oh non, il me baise, hein.
Allo. Les gars. Bichard et Guil en couple. Bichard et Guil en couple. Ouais, mais vu les loups, donc dans tous les cas. Mais toi aussi. Toi t'es mort. Ah non frérot. Non. Allo, les gars. Derrière moi ils sont en couple, je vous jure. Ouais, ils étaient LG avec moi, les gars, je me suis fait tabasser. Dans tes loups, frère. Mais il est loup, les gars. Eh, les gars, je suis loup, mais eux aussi. Eh, la vie, je tombe ou tomber, hein. Ah, il a passé l'info, mec, je suis trop dégoûté. Mais oui, fais chier. J'ai pas de flèche pour booster, il faut que j'en fasse. T'as pas du flint. Ah bah, t'es avec nous, bro. Ouais. Ah bah, c'est bon. Oh putain, je me suis fait cramer parce que j'ai passé une minute. Il y a des gens. Mais ouais, je suis avec vous, putain. Ah, t'es avec nous. Mais oui. Ah bah, ok, tranquille alors. Yes, hein. Ah oui, d'accord, LGB. Okay. Compliqué un peu là. Ah oui. Ouais, si on les tue, on est vraiment très bien. Bah, mais c'est bien. Attends, c'est pas assez, sachant que. Ça doit être passé en groupe de 4 là. Vous avez le rôle de tout. Guil est forcément LG. On peut pas voter Guil, Fichard, c'est chiant. Ouais. Mec, j'ai masse gap, hein. J'ai 12 gap, moi. J'ai du stuff en rap d'ailleurs. Notamment, j'ai un stuff combien là? J'ai 23 gap, mec. Ok, j'en ai 20, c'est bon. Reste comme ça parce que j'ai moins de. Ouais, de vie. Ouais, parce que là, t'as tué combien de joues? 1, 2, on a tué 3. Et Zamas, c'était pas. Cours. Il reste 2 loups, hein. Alors, faut qu'on aille la nuit, hein. Mais déjà, faut qu'on trouve les autres LG. On a tué trop de loups, je crois. Ouais, j'aurais pu le tuer le dernier. Ouais, mais on était cramé. Le fait qu'on ait pas tué Marwan au début, ça nous a mis dans la sauce. Oh, ça, c'est bien ça. Tant mieux. Enfin, non, c'est bien. Oh! Il devait être au centre, hein, il est mort ici. Derrière moi. Courez. Ouais, c'était la sorcière, il avait un jet. On a la potion de force. Let's go. Elle est là. Mec, oh non, on a un problème. Quoi? Oh non. Quoi? Je suis solitaire. Trop bien. Si, trop bien. Si, vraiment, c'est un truc en plus. T'as la potion de force ou pas? Ouais, tiens, je te laisse comme ça. Il me faut la potion d'or. Tu peux un V2. Et voilà le retournement situation que j'attendais. Je deviens loup-garou solitaire, à savoir le LG blanc de la partie. Je gagne 4 cœurs supplémentaires. Et cela nous oblige à gagner en solitaire, en tuant tous les loups-garous. Il s'agit d'un avantage conséquent, surtout en couple. Les dons de vie à mon mate seront beaucoup plus simples à faire pour moi avec ma vie en plus. On a un problème là. Ils viennent. Il y a qui dedans? Vas-y, monte. Cours. T'inquiète, j'ai speed. Faut courir, vraiment. Ah, ils ont claqué la porte. Y'a quoi là? Bien. Y'a un punch. J'ai tombé un peu. Les gars, dans la merde. Non, mais y'a trop de gens, frère. Mais c'est quoi ce bordel là? Je suis là, mec. Le glitch, c'est bon. Allez, les gars. C'est bon. Y'a là, c'est qui part? C'est Daiko. Là. Ils sont passés où, les deux? J'ai fait tout ce que je pouvais. À l'aide. Au secours. Bah, y'a Mathieu qui nous a trahi. Oh là là. Ouais, go. Non, revenez. Y'a trop de gens, frère. Y'a trop de gens tout le temps en permanence là. Faut se barrer, Bichard, ils sont 4. Vas-y, par là. Ouais, super. Par là. Non, mais il est au-dessus, il est sur moi, Daiko, frère, c'est ce que je vous dis. J'arrive. Sur moi là. Ouais, fini. Ouais, c'est bon. Oh, je l'ai envoyé balancer. Cours. On court pas, on les attaque. Ouais, les mecs. J'ai pas d'armes. Non, on peut y aller. Tu connais? Pas sûr, frère. En vrai, non. C'est trop grid, frère, c'est trop grid, t'as oublié. Il est où, Omega? Je sais pas, mec. Vous avez encore des potions ou pas? Moi, j'ai potion d'instant damage, mais c'est tout. J'ai un stand damage aussi. T'as pas la régène? Non, il a claqué. Ça va être le jour là. T'as combien de gap? Oh, devant. Ah, mais voilà, t'es là toi. Ah, bah c'est bon. Les gars, je vous propose un petit. Mais non, mais on va pas te tuer en fait. Frérot, 12 joueurs, hein. On est 4, hein. On va pas te tuer, frère. Bah oui, on est 4, mais oui. Mais il faut que tu restes avec nous, on va pas te buter, ça sert à rien qu'on te bute en fait là. Bah oui. Et si tu restes tout seul, tu vas mourir, hein. Il reste qu'un seul loup en fait. Je m'en doute. Mais le truc, c'est que d'ailleurs, le dernier loup est infiltré à mort. Ah, oui. Bah voilà, bah du coup, on reste ensemble et on tente à 4, quoi. Devant. Les gars, c'est le jour. On est trop. Ah non, mais du coup, avec le loup, on est 5 là. Le dernier villageois s'est barré? On va sur le. Ouais. Les deux. Je te suis. Il est dans l'eau. Oh. Bien. Maintenant, va falloir bien jouer, mec. Hein. Oui. C'est barré. En fait, on pouvait pas parce que. Oui, je sais. Ah, bah ouais. Okay. Si j'aurais dit que pour moi c'était sûr. Droite.
Il y a un mec devant, il y a un mec devant là. Ah bah c'est... Bah ils sont là. Oh ils sont beaucoup eux. Ils sont beaucoup là-bas. Ah oui, oh putain. Ouais bah du coup c'est... Pardon. Bon, pour rien. Pardon. Comme vous voulez. Bah Ghost, toujours le mec solo. Trop de gens. On se barre. Trop de gens. Peut pas face. Au pire, vas-y, ouais, au pire. Attends pas un peu. On court un peu. Venez, on court. Ouais. Il arrête. Avance, trace. Il nous a perdu, le gars. Bon, tant pis. Là, on va avoir un problème. Ouais. Attention, hein. C'est pour ça, je t'ai dit, on aurait pas dû courir, mec. On était en 3v4, hein. Non. Oui, si. Si, quand même. Je pense pas que. Franchement, si. Ça va être compliqué là. Hein. Gap un coup, quand même. Vas-y, cours. Ok, je prends, je l'absous encore. On va les perdre. Ouais, justement. Suis-moi et on va finir par les perdre. Sinon, on se tournera de toute façon. Puis on les prend au bon moment, on peut les tuer. Ouais. Ah merde. Et il nous a lâché, il nous a pas suivi. Mais c'est-à-dire qu'ils sont, eux sont séparés, ça veut dire. On trahit quand? Mais ils le savent, hein. Ah oui, mais on trahit. Quand il restera. Le villageois. Heureux. Avance vers là-haut. Avance vers le 0-0 là. Ils sont juste là. Ah, je tombe en bas. T'inquiète. Oh, bon. Je suis en bas, mec, hein. Oui, vas-y, t'inquiète. Tourne à gauche. Ouais, je suis en train de monter là, mais je perds un temps fou, hein. Là. Ouais, on est là. C'est bon, j'ai mis le pas monté. Bon. Je suis en bas, t'inquiète. Non, moi je suis en haut. Avance. Il le son de ma voix rentre dans la chambre. Vas-y, continue. C'est bon, on a réussi un peu à les semer. Putain, je sais pas comment on est pas. Avance vers là-haut. On va les croiser. Voilà, ils sont le 0-0 devant. Pitié qu'ils soient là. Ils restent trop solo en vrai, c'est trop dommage. Genre. Je suis désolé, mais on les a pas. Enfin, ils étaient pas de ce côté-là. Je mange bientôt. Là. Je vais manger. L'escalade. Je tombe en bas. Non, c'est bon. T'inquiète. Yep. Hit. Vas-y, continue. Putain, mais ils sont où, frère? Un peu à gauche. Monte. Par là. En vrai, Dylan. Voilà. Bichard, non mais. On pouvait le tuer là, c'est trop tard, on pouvait le tuer, il était tout seul mec. Désolé, bah j'ai pas eu la com en fait. Ah bah le terre est mort hein, ils l'ont tué hein. On a juste à courir hein quoi. Mais non mec, on aurait dû jeter, enfin là on va mourir là frère hein. Dommage. Je suis en trace hein. Vous avez du mal depuis tout à l'heure, moi je peux pas les suivre si vous êtes pas là. Ils sont derrière l'arbre. Attends. Ils sont sous les arbres là. Ils sont là. Oh! Oh, c'est bon, c'est bon! Ils sont là! Ouais, j'ai vu! C'est bon! Bouge pas! Ah putain! Mais putain! C'est bon, je suis là! Il est mort! Ah ouais! Il est mort! Ok! Attends! On a besoin de dégâts! Ok, vas-y! Go! Beaucoup de pouces là! Monsieur Guil, ouais, je suis là, bon. Tu peux me boost? Ouais. Oui, oui. Il est encore un, hésite pas. Oui, non, t'inquiète. C'est toi. Vas-y. Oh, mais vous m'avez fier. Ok, d'accord. Vous devez pas faire ça, c'est très visible. Mais. Ça fait chier quand même. Ah, oh là. Quoi? C'est déjà trop tard. Il y a un micro. Non, c'est bon, ils sont là. Hein. Pas récupérer les gaps. Récupère. Il faut qu'on pêche. Hein. Ouais, je sais. Il n'y a pas de gap. C'est bon, t'as ? Il n'y avait pas. Ok. On a la chance que ce soit des nombres pairs à chaque fois. Ah, j'ai 29 gaps, elles étaient au-dessus. J'avais pas vu. Ok, j'en ai 23, bah tu peux en passer un peu et... Incroyable! Bichard arrive donc à 13 coeurs et moi toujours 14. Nous sommes en 2v3, mais notre duo est presque invincible à ce stade-là. Bon, en vrai, écoute... J'avoue que ça va être très compliqué, là. J'ai peu d'espoir, hein. Va falloir attendre la nuit. Vu, on décale alors. Mec, le 2v3 est possible, mais va être difficile. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui tempo comme un dingue pendant que les deux, l'autre invient. Si quelqu'un doit tempo, c'est toi parce que t'as le punch. Ouais, je pense, hein. Par contre, moi, il faut que je réussisse mon avion. Ouais, j'espère que ça va passer, on va voir, hein. On a 2 minutes à tenir. Il reste quoi comme rôle? On a aucune idée, hein. Ouais, pas grand chose. Peut-être Saboteur est mort, hein. Oui, Saboteur est mort. Sorcière est mort. Oui, c'est le mec qu'on a tué avec Marwan. Traîtresse, elle est morte? En fait, j'en sais rien, mais moi, j'ai tous les rôles depuis tout à l'heure. Mais c'est parce que c'est solo? Ah, bah oui, du coup. Bah, du coup, elle est pas morte. Mais en vrai, on s'en fout. C'est-à-dire qu'elle a pas beaucoup de vie. Oui, tant mieux, en vrai. Si elle est en vie, tant mieux. Il reste les deux sœurs, je pense. Et c'est Manhattan Daiko. Pour moi. Ah, oui,
Ça va être dur. Bon, l'intérêt est bon là. Écoute-moi, Guigui, peu importe la fin de cette game, elle sera. Non, mais on va la gagner, on va la gagner. Hein. Imagine, ils sont pas là. Ils veulent pas nous fight. En vrai, on a les gapels qu'il faut, plus qu'on tropo. Hein. Juste qu'on joue le heal, je pense. Je pense qu'ils ont pas autant de gapels que nous. Hein. On fait quoi si ça passe 2 minutes, on attend encore? Ouais, faut qu'on attende. On peut pas fight 2 joueurs en fait. Ils sont 3, on est 2. On peut pas. Même avec le punch, hein, on peut pas. Ils ont la salvation s'ils sont ça. Et oui, ils ont la salvation s'ils sont ça, ouais, c'est ça. Enfin, oui, du coup, là. Ils ont résistance, ouais, c'est ça. Je savais que t'allais faire ça. Regardez le mec chiant là. Allez, je suis mort. Alors autant le premier, j'avais pour projet de le rater, autant le deuxième non. Y'a un mec sous les arbres je crois dessous, je crois. J'ai cru voir un pseudo genre de type 5 lettres. 5 lettres? Genre D-A-I-K-O. Ok oui, faut courir, ok oui. Ils ont attendu le jour alors qu'on est deux. On pourra pas la gagner frère. Alors. Impossible. Hein. On était que deux, pourquoi ils ont attendu le jour? Est-ce que la montagne est dans la border? Ah, ils étaient bien à côté de nous en plus. Hein. Viens, suis-moi. Vas-y. Oh là. Viens, le combo. Suis-moi. Ils ne sortiront pas de là. Oui, vas-y. Hein. D'un coup, reste à côté de moi. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est Gil qui a le punch. Ah ouais, mais le punch en l'eau, ça va être. Qui c'est KB hein? Ils sont loin. Viens. À droite, Guillaume. Daiko, reviens. Daiko va mourir, Daiko low. GG, t'es le boss. Je l'ai tué? T'es le boss. Attends, c'est bon, parfait. Je vais avoir la speed là. Ok. Oh, moi, coup de punch. Attends, ça vient à toi. Hein. Ils ont la raid hein. Ouais, Artung, t'inquiète. Tu m'as dit Artung là? Oui, je t'ai dit Artung. Tapote. Oh, le fight en l'eau, à l'aide. T'inquiète. Je ne peux pas mourir. Tiens, attends, je suis mort. Non, mais quoi? Mort. Let's go, putain! Oh, j'étais à 3 coeurs, mec! Hein. J'étais à 3 coeurs, frère! Mais c'est pour ça qu'on a pas fait de nuit, on avait aucune chance, j'étais à 5 coeurs, moi! Ah! GG, les gars! Je savais pas! Bah, c'est pour ça que tu m'as triché, Dans l'eau! Vous avez fait une game incroyable! Let's go, putain! C'est le punch, on les appelle Dans l'eau! T'es parti sur la droite, vous avez. Guillaume, il est incroyablement bien joué! Il est pas mort! Ah, il était ancien, je crois! Ok, bah, on va le remonter! Attends, bien là! Putain, en vrai, c'était le push sur Daiko était trop stylé! Vous voulez un V1 ou on fait quoi? Oh, si tu veux, vas-y, on peut un V1. Juste laisse un V1. Vous avez combien de cœurs? 14 et 15? Ouais, 14, en gros, c'est l'idée, ouais! Dis quand tu veux, mec! A notre droite, The Guild qui fight Daku! Daku, pardon! Tuer, hein. C'est un V1 pour ça! Attends, il va vraiment me tuer en plus, hein! Je vous laisse gagner! Non, mais bah, si tu me tues, je peux pas! Mais t'inquiète! Attends, ta force, là! Attends! Guild face à Daku! J'ai bien ce moment. Oui! J'ai peur. Mais moi aussi, frère, il m'a mis 3 coups au début. Surtout qu'en plus, moi j'avais l'effet de régène qui était passé. Et puis là, si ça compte pas parce qu'on est dans une game. GG. Normalement, oui, normalement dans les records de kills, c'était dans les game groups. Oui. Je crois qu'ils ont fait plus. Mais en vrai, c'est quand même vraiment stylé quoi. Bien joué en tout cas, bien joué. 12 kills. Tu m'as volé, je sais pas combien de kills, mais franchement, 17 kills à nous deux, je suis très content, tu vois. Et nous remportons cette partie de loup-garou avec un nombre hallucinant de kills, 17 en couple. C'est la première fois que je fais un aussi gros carnage en équipe comme ça. Et malgré le fait qu'on ait été cramé super tôt, que ça soit par les villageois ou par les loup-garous, on a réussi à s'en sortir, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait un petit moment un loup-garou, alors si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir les potes. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir d'autres loup-garous, je vous invite à venir voir les lives tous les soirs, et ça se passe sur ma chaîne Twitch qui est en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, salut à tous.